Bonjour Catherine et Hélène. Voilà, on est ici dans la campagne de Tenneville. Est-ce que vous pouvez un peu planter le décor? Alors, on se trouve ici donc à Tenneville, dans la ferme de Julien Maréchal, qui est un jeune agriculteur de la commune. Moi, je travaille ici à la commune de Tenneville depuis 8 ans. Je suis agent de développement local. Donc, mon travail consiste principalement à promouvoir les acteurs économiques de la commune. Voilà, et moi je travaille à Tenneville depuis 2 ans via la Maison de la Culture de Marche. Donc, je suis détachée du centre culturel pour apporter, on va dire, mon soutien pour les initiatives culturelles. Et je travaille avec Catherine, du coup, sur le festival à travers champs. Et donc, ensemble, on organise la projection, des activités extra autour des projections. Et donc, ça va être la deuxième année qu'on va organiser cela toutes les deux. Et le festival à travers champs et vous, est-ce que c'est une longue histoire d'amour ou une première fois? Ça va être la troisième édition du festival à travers champs. Donc, on ne peut pas encore dire que c'est une longue histoire d'amour. On ne peut pas dire non plus que c'est une première rencontre. Mais on est toujours content, très enthousiaste en tout cas, de participer à ce festival et de mettre en avant la ruralité à travers le cinéma. Quel est votre meilleur souvenir à travers champs? Commence? Oui, d'accord. Donc, moi, mon meilleur souvenir, ce n'était pas une projection, c'était plutôt une activité qu'on a fait en amont d'une projection, une animation que j'ai fait justement ici dans l'école de Tenneville avec des enfants et où on demandait aux enfants d'avoir un regard sur leur territoire, sur leur commune. Et j'ai trouvé que c'était une très belle expérience, que les enfants ont un regard tout à fait incroyable sur leur environnement. Et c'était très riche, tant au niveau des débats que de la création, parce qu'on a fait une création à la fin aussi qui était très chouette. Alors, moi, je n'ai pas encore beaucoup de recul vu qu'il n'y a eu que 2 éditions du coup, mais aux 2 éditions précédentes, j'ai quand même toujours été touchée par les débats qu'on faisait après, les échanges qu'il y avait avec les agriculteurs et même le public en général. Et voilà, je trouve que donner la parole aux agriculteurs qui puissent expliquer leur métier et surtout la façon dont ils le font, parce que je trouve qu'il y a parfois beaucoup d'a priori sur ce métier et d'idées fausses sur le métier. Donc je trouve que c'est toujours très enrichissant de donner la parole aux gens de terrain, finalement. Plutôt docu ou fiction? Bien, je dirais plutôt les deux. Je trouve que le festival tire justement sa force en proposant plusieurs genres, plusieurs styles de films, aussi pour tous les âges, parce qu'il y a autant des films pour les enfants que pour les grands. Et j'ai envie de dire, ce qui est chouette, c'est d'alterner tantôt des fictions qui viennent un peu nourrir l'imaginaire et les possibles, tantôt des documentaires qui nous informent sur des réalités qui peuvent parfois nous surprendre. Donc je trouve que c'est complémentaire en fait. Voilà. La ruralité, pour vous, c'est... C'est avant tout la campagne, la terre que les agriculteurs cultivent, mais pour moi c'est surtout aussi un cadre de vie, dont je ne peux pas me passer personnellement, avec des couleurs, des senteurs, de la quiétude surtout, voilà, plein de belles choses. Oui, tout à fait. En fait, c'est un mode de vie Ouais. bien particulier où à la fois il y a les avantages de cette tranquillité dont tu viens de parler, le fait qu'on est tout près de belles promenades, il y a le silence, il y a des odeurs que certains n'aiment pas, mais que moi je trouve très agréable. Et en même temps, quand on est en milieu rural, on est obligé d'avoir une voiture. On a peut-être un peu moins accès à certains services plus urbains, comme les transports en commun, c'est un peu bof, ou certains services culturels. Et c'est justement ça que je trouve que le festival il a toute sa place parce qu'il apporte un service culturel justement en plein dans la campagne. Le festival à travers champs, c'est du cinéma, mais aussi... Plein de choses. Des débats, de la convivialité, des dégustations de produits locaux, qu'est-ce qu'on a eu? Des animations, Des rencontres, des rencontres, des ouais. marchés fermiers,
Il y a de la musique parfois, du théâtre, et tout ce qu'on aura envie d'inventer. J'ai l'impression que c'est un festival qui est hyper ouvert. Hyper créatif. Oui. Et donc, je crois qu'on peut encore être surpris dans les années à venir sur ce que pourra devenir le festival. Si vous deviez choisir un mot pour convaincre quelqu'un de venir au festival, ce serait ? Mais c'est un festival qui est pittoresque. C'est un festival qui a mille visages. Vous allez voir une projection à Rochefort, à Tenneville, à Beaurain. Vous n'allez pas avoir du tout la même ambiance. C'est un festival qui est ouvert à la diversité. C'est aussi un festival qui ne tombe pas sous le sens. Je veux dire, associer le cinéma et la ruralité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait d'instinct. Et donc, c'est un mélange assez... c'est assez unique, en fait, comme festival. Moi, je dirais la convivialité. C'est un festival hyper convivial. On fait des rencontres qui se fait de manière bon enfant et c'est tranquille, quoi. Voilà, on va pas simplement voir un film. Il y a toutes les animations qu'il y a autour, les dégustations, etc. On vient pas juste voir un film, on discute aussi après. Et voilà, c'est hyper convivial. Au sein de l'équipe du festival à Tenneville, vous êtes ? Alors moi, je m'occupe principalement de tisser le lien entre les agriculteurs et le festival. Donc on essaye d'impliquer les agriculteurs dans le festival, de leur donner la parole. Et voilà, ça c'est mon rôle, c'est vraiment de faire le lien entre les deux. Et puis on se dit aussi que le festival pourrait permettre de rassembler les agriculteurs et peut-être de créer d'autres projets avec eux par la suite. Donc ça, c'est une partie de mon rôle. Et sinon, je fais aussi tout ce qui est... je m'occupe des extras au festival. Donc organiser peut-être le débat, organiser la dégustation de produits locaux, organiser les marchés, etc. Et moi aussi, je suis un lien, mais alors entre la commune, entre Catherine, et le festival lui-même. Donc c'est moi qui vais aux réunions plénières et qui fait un peu le transfert d'informations. Je m'occupe aussi un peu plus de la partie logistique cinéma, on va dire. Et puis avec Catherine, on réfléchit quand même souvent ensemble aux extras qui sont possibles et je lui apporte un coup de main selon ce qu'il y a à faire et ce que je peux apporter. Et alors quand il y a des extras qui viennent du festival ou de l'animation qui vient du festival, alors c'est plutôt moi qui suis sur le terrain auprès du public. On se complète. On se complète bien. Le cinéma à la campagne, encore, pourquoi, comment et avec qui? Oui. Alors évidemment, le cinéma à la campagne, on dit un grand oui. Pourquoi? Parce que c'est chouette. Parce que ça permet de voir des films aussi dans des cadres différents. Parce que moi, en tant que coordinatrice culturelle, c'est mon boulot que d'amener de la culture au plus près des gens. Et donc, ça passe aussi par sortir des centres urbains. Et alors, pour qui ou avec qui? Pour tous, j'ai envie de dire. Tout le monde doit pouvoir s'installer devant un bon film. Et c'est une des raisons pour lesquelles on essaye aussi de varier les programmations d'une année à l'autre, de ne pas toujours faire du documentaire ou pas toujours faire de la fiction, pour que chacun puisse à un moment donné se sentir concerné ou intéressé par le film qu'on proposera ici à Tenneville. Et si on veut être un peu curieux, j'imagine que vous avez déjà réfléchi à la prochaine édition du festival. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques petites indications pour juste nous mettre l'eau à la bouche? On n'est pas encore décidé, bien sûr, mais on partirait plutôt sur un documentaire. Voilà, on va voir aussi avec les agriculteurs qui seront intéressés de venir, de choisir le film. Et on a vraiment un point d'honneur à ce que le choix vienne d'eux plutôt que uniquement de nous. C'est ça, et en fait, je crois qu'on ne se projette pas trop avant, parce qu'on tient vraiment à leur laisser la place à eux. Et au niveau des extras, on a des options peut-être pour une exposition de peinture, mais rien n'est sûr. Donc,
sans engagement. Merci. Merci. Merci aussi.